Yo les gens, c'est Lopoc, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. En gros, si vous rigolez, vous avez des problèmes. Je vais vous montrer aujourd'hui le genre de vidéo que j'ai dans mes recommandations. Alors là, je suis en navigation privée, donc forcément c'est pas mes recommandations. Oui machin, Squeezie mes couilles. Oui, ça fait des tags hein. Et aujourd'hui je voulais qu'on découvre ensemble certaines vidéos qui me sont proposées et que je me suis empêché de regarder jusqu'à aujourd'hui. Je suis pas croyant, mais quand même je crois pas au hasard non plus, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, il y a des choses qui se passent, peut-être que je sais pas si c'est un rapport avec que mon PC m'écoute et que je regarde des vidéos du grand JD. Oui, c'est un tag. Déjà avant toute chose, je voulais vous parler d'une chaîne. Je crois, il me semble que j'ai déjà parlé de ça dans une ancienne vidéo, mais je vais faire un reminder pour les gens qui viennent d'arriver il y a pas très longtemps. Il y a même qui me fait... Rien que de penser au même, ça me fait rire. Faut que j'essaye de rester concentré parce que sinon c'est pas drôle. En gros, il y a une pub Game Boy d'un jeu de Donkey Kong qui est sorti au Japon et je vais vous montrer la pub. Ce passage de la pub là, où la Game Boy tombe sur Donkey Kong, ça a été repris. Et après, petit coup de bananas, c'est vase, c'est même pas vert, putain. Il y a 5 mots dans la phrase, je fais des fautes, quoi, mais merde. Et du coup... T'as vu, j'ai pris les coups de bananas. Attends, ça c'est un remake. Ça c'est un remake. Attends, attends, on le regardera après, ok. T'as vu, j'ai pris les coups de bananas. J'adore ce même, ok, ce passage là il est incroyable et je crois que j'en ai déjà parlé. Mais ce que j'ai découvert par contre, c'est qu'il y a une chaîne YouTube. Il y a une chaîne qui a un nom, ma foi, assez logique finalement. Oh, Vaza Petit Cool Bananas Daily. Donc là, Daily, c'est journalier Dailymotion, tu connais toi-même. N'hésite pas à liker d'ailleurs si tu as connu Dailymotion toi aussi. S'il te plaît. Et sur cette chaîne, il y a en tout la bagatelle. Je sais pas le nombre de vidéos, c'était peut-être marqué sur la page principale. Est-ce que je suis un con? Probablement. Il y a 362 vidéos. Putain, mais je suis vraiment trop con. En fait, tous les jours, il y a un Pretty Cool Banana qui sort, ok? Aujourd'hui, il y a eu celui-là. Et à chaque fois... On avance un peu. Mais vous vous rendez compte qu'il y a du tracking quand même? Enfin... Pardon. Et il y en a plein de comme ça. Genre vraiment, le mec ne fait que ça, quoi. Voilà, je voulais juste vous parler de cette chaîne parce que je trouvais ça assez incroyable finalement. Allez, on va regarder le premier parce que je sais plus c'est quoi. Pardon. Pardon. Ah non, moi c'était la séquelle que je voulais voir, c'est quoi? Séquelle, c'est après, c'est ça, non? La gueule, mais putain, mais ce modèle est incroyable! Mais moi je veux jouer Donkey Kong dans Smash Bros Ultimate avec ce skin là, bordel de merde! Le décarap en fond, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est le décarap mélangé avec une musique de Sonic, si j'ai pas de bêtises. Je crois. Vous savez d'où il sort son flingue? Il vient de Donkey Kong 64, mais vous y avez pas joué parce que vous êtes des petits cons. Il est dégueulasse. Mais ce jouet Donkey Kong, je le veux, il est moche. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à Pretty Cool Bananas Daily si vous voulez avoir, si je puis dire, la banane. Bon, la plupart des vidéos qu'on vient de voir, je les avais déjà vues, mais par contre, il y a une série de vidéos que j'ai pas vues et d'ailleurs, il y en a certains qui m'ont envoyé sur Twitter, Insta et tout. Attends. Super Smash Bros Ultimate, everyone is screaming. La vidéo dure 26 minutes, on va pas tout regarder, mais j'ai regardé les premières secondes de cette vidéo, j'étais déjà éclaté. Juste, je voulais aller un peu plus loin avec vous aujourd'hui. On a probablement les mêmes troubles dans la vie, d'accord? On n'est jamais seul, ok? Concentrez-vous un minimum, ok? Genre, vraiment, soyez concentrés. Et c'est une parole parce que si ce qu'on vient de voir vous a fait rire, vous allez craquer, il rigole déjà, putain! J'ai déjà vu. Ces premières secondes, j'ai déjà vu. Mario, t'es plus dur. Je sais pas comment on fait ce genre d'effet, mais... Quelqu'un peut me dire en commentaire, s'il vous plaît. Putain! Attends, on avance un peu, parce que bon... Non mais attends, non mais ça vient de me troubler là. Alors, bon, c'est pas... Ok, d'accord, mais c'est pas le même. Mais l'idée de base est la même. Je pense qu'avec l'auteur, on se comprend, quoi. We know. Talk is Alors, là par contre, j'entends... Un peu. Si, quand même.
fait de ma vie finalement. J'ai lancé l'enregistrement sans savoir où cette vidéo va aller, d'accord? Je voulais déjà vous montrer ça, ce que je viens de vous montrer, maintenant je sais pas, ok? Bon, je vais pas regarder 26 minutes de cette merde, mais en tout cas, on va continuer à errer un petit peu sur YouTube pour voir. Mais toujours dans le même thème, c'est-à-dire que si vous riez, vous avez des problèmes. Kirby Screaming Adventure. Pourquoi ce genre de vidéo a 700 000 vues? Sans déconner. Luigi qui crie, ça me tue, putain. Pardon. C'est trop con. Et le pire, c'est que les gens, ils adorent. Putain, il y a même pas 1% de dislike. C'est trop bien fait. Et du coup, il va rencontrer combien de personnes comme ça finalement? Ça dure 3 minutes, ça. Je viens d'avoir un flashback de vidéo avec Wario. Putain, il faut que je vous montre. Ces cris là, ces cris de Wario, je les ai entendus dans une autre vidéo. Cette vidéo, elle a aucun sens. Attends, Mario Screaming, attends, c'est quoi ça? Déjà, je voulais taper Wario, j'ai tapé Mario quoi. N'a pas 1% de dislike, c'est genre ça, putain de bon ratio, c'est incroyable. Il y a 42 millions de vues. Oh, je vais mourir. Attends, moi c'était ça que je voulais trouver. Attends, moi c'était Wario rigole. J'ai toujours cru qu'il criait en fait. Là, c'est le mec s'est cassé le cul, il avait animé et tout, quoi. Ah, pardon. Je n'arrive pas à me faire rigoler. C'est tellement débile, putain. Le mec qui a fait... Quoi? Pardon. Et du coup, ce dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait, il y a des mecs qui s'amusent à faire des vidéos avec Wario, mais c'est que de l'audio en fait, tu vois. Accident, je vais sûrement trouver. Wario meurt dans un escalator qui tombe alors qu'il est en train de profiter des Oreos. Pour MP3. Il y a pas d'image. Concentrez-vous deux secondes. C'est tout, c'était de la merde, Wario. Putain, mais quoi? J'ai des recommandations maintenant, c'est YouTube, il comprend plus. Wario perd sa main dans un mixeur et meurt alors qu'il est en train de faire des cookies au chocolat. Putain, mais qui a fait le premier truc comme ça? Attends, attends, y'a un mec qui a fait l'animation d'une de ses sons. Putain, c'est incroyable. Oh my god. C'est pas drôle, mais la situation. Wario meurt à Hiroshima alors qu'il est en train de manger du curry épicé. Mec, il a fait une animation. Ah attends, je vous montre direct l'animation parce que c'est plus parlant et tout, mais... Yes. Et là-bas, c'est 15 ans, putain. Non mais en tout cas, merci d'avoir été jusqu'à là, la monétisation, ça fait plaisir en tout cas. Et je crois que j'ai défoncé YouTube. Hein. Ça, je connaissais ça. C'est sûrement l'histoire d'un mec qui un jour a trouvé comment rallonger n'importe quel son sur Audacity. Il s'est dit... Link tombe. Des écrits. Allez, c'est bon. J'arrête là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mes recommandations. Je sais que c'est bizarre, mais c'est ce qu'il m'est proposé, putain. Waouh, c'était... Attends, du coup, je regarde un peu ce qu'il m'est proposé. Ouais, j'ai des YouTube poops très connus de Pokémon. Mario, qu'est-ce que t'as fait à mon tacos au spaghetti? Mario, what did you do with my spaghetti tacos?
Oh là là, putain. En tout cas, j'arrête pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ri. Peut-être pas finalement, parce que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on frappe au collège. Abonnez-vous, likez, et sur ce, je vous fais gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Oh, these are pretty cool bananas.